deux choses qui se sont mises en place. La première, c'est l'alerte donnée immédiatement sur la société de la délation. Donc, libérez votre parole, mais n'en dites pas trop, quand même. Hein. Essayez de rester dans les généralités. Ne dites pas ne donnez pas de nom, ne donnez pas de lieu, ne donnez pas de date. Mais libérez votre parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'édredon. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde parle au nom de la libération de la parole des femmes. Résultat, on a une espèce d'amortissement du propos. Quand on dit à chaque fois, il faut que la parole des femmes se libère, mais il faut faire attention parce que est-ce qu'on va encore pouvoir séduire les femmes draguer, après ? Est-ce qu'on va pouvoir draguer ? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des dénonciations calomnieuses ? Est-ce que tout ça est bien maîtrisé par les femmes ? Parce que le fond de l'affaire, c'est qu'on nous demande, est-ce que vous maîtrisez bien toute cette affaire de libération de la parole ? Cet éternel soupçon sur lequel on ne maîtriserait pas tout. La sénatrice Laurence Rossignol, ancienne ministre de la Famille et du Droit des Femmes dans le gouvernement de Manuel Valls, elle était ce matin l'invitée de Guillaume Herner. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France Culture s'interroge sur l'égalité entre les sexes tout au long de la journée. Il a souhaité ouvrir la réflexion à partir de son vécu, de son expérience personnelle. Ce mouvement de libération de la parole des femmes l'a, dit-il, interpellé parce que je suis un homme européen, citadin, occidental, nanti, blanc, hétérosexuel. Et donc a priori non discriminée. Mais comment en faire une parole légitime ? Le mois dernier, Raphaël Glucksmann, directeur de la rédaction du Nouveau Magazine Littéraire, et Michel Hazanavicius, réalisateur, ont donné le ton avec un appel. Nous aussi, nous voulons l'égalité. Après la sidération et le silence, après les cris d'Auffray, les premiers appels à la solidarité et à réfléchir surtout ensemble à une redéfinition du rapport entre les sexes. Mais quelle est la bonne question à poser ? Spécialiste du fait religieux, après le mythe de l'islam, l'islamisation essaie sur une obsession collective au seuil en 2012. Après ce populisme qui vient chez Textuel, suivi de la guerre des civilisations n'aura pas lieu au CNRS édition. Après une incursion aussi dans le champ économique avec Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel aux éditions Les liens qui libèrent. Notre invité, professeur des universités à Sciences Po Aix-en-Provence, fait donc un nouveau pas de côté philosophique dans le champ de l'égalité homme-femme. Dans Descente, au cœur du mal, aux liens qui libèrent toujours, le philosophe Raphaël Liogier interroge la virilité à l'heure de la modernité et le regard que les hommes du XXIe siècle posent sur le corps des femmes. Vous voyez, j'ai un peu du mal à le dire, virilité. Bonjour Raphaël Liogier. Bonjour. Dans votre bouche, peut-être que ça sonne mieux ? Je ne sais pas. Essayez voir. Je ne sais pas. Virilité ? Ouais, pas mal. C'est pas mal, bon. Zéro pointé à l'examen de conscience collectif, écrivez-vous. Vous appelez dans ce livre à une prise de conscience, mais laquelle ? Est-ce qu'on peut dire que vous vous adressez dans ce livre en priorité aux hommes, que vous les appelez d'une certaine manière à prendre leur part ? Je voudrais juste dire une petite chose sur ce que vous avez dit précédemment sur mon travail, qui avait l'air d'être des pas de côté. En fait, ce sont des pas de côté en apparence, parce que le point commun entre tous ces livres et tous ces travaux... J'allais y venir quand même. C'est l'identité. L'identité humaine, voilà. Donc je le dis parce que j'ai entendu beaucoup de gens. Alors qui on va disent, y revenir. Voilà. Non, je crois que la prise de conscience aujourd'hui est nécessaire, et je crois que la prise de conscience a été faite par un certain nombre de femmes et un nombre de plus en plus massif de femmes, et de façon parfaitement contrôlée et responsable. C'est le cœur de MeToo. Si on s'y intéresse et si on va lire ce qu'il y a vraiment sur le fil Twitter, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde. Parce qu'à côté de ça, on a toute une série de débats, et même je voudrais dire, on pourrait presque dire débats, parfois débats médiatiques, que ce soit aux États-Unis ou en France, qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est-à-dire, le sujet de MeToo, ce n'est pas la limitation du flirt, de ce que certains appellent la drague. Le sujet de MeToo, ce n'est pas une limitation des libertés, comme on le voit aux États-Unis, avec cette idée que les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, boys night, girls night, c'est pas du tout ça. C'est au-delà des cultures. Mais le sujet, au-delà des cultures, le sujet de MeToo, c'est déjà une grande question. C'est qu'est-ce qu'un corps de femme dans les yeux d'un homme au XXIe siècle ? Parce que les droits égaux, c'est extérieur l'idée des droits. Et les femmes se sont battues pendant plusieurs siècles. Ensuite, il a fallu, deuxième niveau un peu plus interne dans la spirale, appliquer ces droits, c'est-à-dire l'égalité économique et sociale. Aujourd'hui, elles se battent encore pour ça. Mais au XXIe siècle, il y a quand même un certain nombre de femmes, de plus en plus nombreuses, qui y arrivent. Ben, il reste le cœur du problème, et c'est là où MeToo est important. Le cœur du problème, c'est l'égalité qu'on pourrait appeler l'égalité corporelle. L'égalité au sens de la souveraineté sur leur propre corps. C'est ça qui a fait éclater l'affaire Weinstein. C'est rien d'autre.
Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, que vous nous parlez de ce que vous voyez sur ce fil Twitter et qui vous a fait réagir, qui est à l'origine du livre, comment ça se manifeste, comment ça s'exprime, ce que vous venez de dire, le cœur du problème ? Ce qui est à l'origine du livre, c'est la disjonction, la dissonance, même si vous voulez, presque cognitive, quoi, sociale, entre ce que je lisais sur le fil Twitter, ce que j'écoutais dans les médias, qui avait l'air d'être quelque chose d'autre. Enfin, à un moment donné, on parlait même de laïcité en France par rapport à ça. On a parlé de toute une série de choses, multiples et variées, hein. La galanterie, je ne sais quoi. Et puis, ce que j'éprouvais aussi, ce que je savais être ma propre virilité, je veux dire, sans être ni harceleur, ni violeur, ni rien, je ne crois pas qu'aucun homme aujourd'hui puisse se déresponsabiliser. Il peut ne pas être coupable, mais il doit se sentir responsable. Et donc, cette espèce de disjonction, j'ai voulu en faire part dans le livre, essayer de comprendre ce qui se passait. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le fil ? Il n'y a pas de dénonciation d'hommes, quasiment. Il y a plus de 5 millions de témoignages. Sur 5 millions de témoignages et même pas 0,1% de noms. Alors qu'est-ce qui vous a ébranlé ? Ce qui m'a ébranlé, c'est que c'était des situations qui étaient multiples et qui en fait sont véritablement généralisées dans l'ensemble de la société, qui se réfèrent à la fois anthropologiquement à ce que sont devenues les femmes depuis le néolithique, ce que savent les anthropologues, c'est-à-dire qu'elles sont devenues, on pourrait dire, une sorte de capital exploitable matériellement, mais aussi sexuellement, source de prestige. D'où le rapport entre hommes et femmes, c'est l'accumulation des aventures pour les hommes qui leur donne une sorte de prestige. C'est le donjuanisme, et c'est Weinstein, c'est le donjuanisme dans ce sens-là. Et chez les femmes, cet aspect qui donne le sentiment comme si c'était un bien fongible, comme si elle perdait de la matière, elle perdait de la vertu, elle perdait de la valeur avec ça. Alors on va me dire, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui en partie, mais les structures anthropologiques sont encore là. La preuve, quand vous avez aujourd'hui encore des jeunes filles qui vendent leur virginité sur Internet des millions de dollars, on ne peut pas dire que ça ne constitue pas encore un problème. Donc ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est bien joli l'égalité à l'extérieur, c'est bien joli même l'égalité économique, et c'est vrai, il la faut, c'est la base. Mais tant qu'il reste cette inégalité dans le regard des hommes, c'est pour ça que finalement, moi je ne me mêle pas de dire ce que sont les femmes en soi, je me permettrai pas, j'en serais pas capable, mais par contre je sais ce que c'est que le regard d'un homme aussi. Voilà. Donc tant qu'il n'y aura pas cette transformation dans le regard même des hommes, eh bien on pourra toujours revenir en arrière, en quelque sorte. C'est ça que je voulais dire. Le problème, c'est Don Juan, écrivez-vous, DSK, ce serait plutôt Casanova, le harcèlement systématique. Weinstein, ce serait plutôt Don Juan, la réduction systémique de la femme qui doit accepter consciemment de n'être qu'une matière à jouir. Vous évoquez ce hashtag, ce cri de ralliement, ce slogan MeToo, qui veut dire tout simplement moi aussi. En philosophe moderne ou en homme moderne, vous avez donc trouvé comme point de départ à cette réflexion les réseaux sociaux et la matière qui pouvait s'y trouver. Pour beaucoup de femmes, le moi aussi, c'était une manière de dire moi aussi j'ai été victime de violence ou de harcèlement sexuel dans ma vie, et cette parole qui a été libérée pourrait à vos yeux provoquer la libération d'une contre-parole ou d'une autre parole, celle des hommes. Qu'est-ce qu'une femme dans les yeux des hommes du 21e siècle? Est-ce que c'est pas quand même un peu étrange comme question centrale ou comme point de départ, vous qui trouvez votre légitimité, vous le dites, dans le fait d'être humain, de vous interroger sur l'identité humaine, de partir du regard des hommes sur celui des femmes. Pourquoi ne pas plutôt vous interroger sur ce qui fait monde commun aujourd'hui, sur ce « oui tout » ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, alors lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'on est ensemble et qu'on est heureux, c'est le « oui tout ». Mais là, en l'occurrence, le MeToo, c'est quelque chose de fondamental. Parce que je vous rappelle qu'encore en 1949, Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, disait... elle posait les questions que je pose dans le livre. En fait, la plupart d'entre elles, elle les posait déjà. Elle avait déjà presque tout dit, dans un sens. Sauf qu'elle disait à un moment donné, mais les femmes ne sont pas arrivées à dire « nous ». C'est-à-dire, elles ne sont pas arrivées à dire « MeToo ». C'est-à-dire, en gros, ça n'était pas un mouvement social. Là, nous avons affaire, et je pense vraiment que c'est pour la première fois, peut-être depuis plusieurs siècles, depuis que la modernité du 18e nous a promis l'égalité humaine, et qu'elle ne l'a pas accordée aux femmes, eh bien pour la première fois, il y a un mouvement qui est une véritable révolte, et qui a une véritable profondeur, qui a une véritable responsabilité, et qui n'est pas...
qui n'est pas une recherche vengeresse, mais qui est plutôt un mouvement social au sens qui poursuit l'intérêt collectif, qui poursuit le nous en réalité. En disant MeToo, elles disent nous, ces femmes, alors qu'on nous ferait croire que c'est pas le cas. Et pourtant, qui est vécu par un certain nombre d'hommes comme au détriment peut-être de leur virilité. Vous parlez d'écroulement de l'empire viril, ce moment de libération de la parole vécu par certains comme une menace, à tort ou à raison, Raphaël Liogier. Est-ce qu'on déshabille forcément Pierre pour rhabiller Paulette? Comment dire? Je parle de la promesse de la modernité dans le livre à un moment donné. C'est-à-dire que il est clair qu'il y a des privilèges, un peu comme la Révolution française. Il y a des privilèges qui vont sauter. Et là, on a une partie de l'humanité qu'on appelle les hommes au sens viril du terme, qui a eu un certain nombre de privilèges. C'est pas pendant des siècles, c'est pas pendant des millénaires, c'est au minimum pendant 35 000 ans. Donc là, on imagine qu'un certain nombre de gens ont du mal à se débarrasser de ces privilèges. Mais d'ailleurs, un certain nombre de femmes ont aussi du mal à se débarrasser d'un sens, peut-être même, j'allais dire, soumis de la féminité. Donc celles qui se sont exprimées en disant MeToo, elles ont eu aussi un courage, qui est un courage, contrairement encore une fois à ce qu'on dit, qui n'est pas du tout politiquement correct. C'est un courage responsable et c'est mettre ce que l'humanité a promis dans le cadre de la modernité, à l'humanité dans son ensemble. Sauf que cette promesse, c'était une promesse et qu'elle a eu du mal à s'appliquer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des privilèges qui vont être perdus? Oui. Est-ce que maintenant, compte tenu du là où on en est, est-ce que les hommes ont intérêt à s'adapter, à changer leur regard? Et est-ce qu'ils peuvent y gagner dans une certaine mesure? Ben moi, je crois que oui. Ils peuvent y gagner, ce que j'appelle en surmontant la définition fermée de la virilité. Parce qu'il y a aussi une sorte d'exigence morale chez les hommes de se montrer dans ce que doit être la virilité depuis des millénaires. Ben, si ils arrivent à surmonter ça, eh bien, ça sera un gain, je pense, aussi pour eux. Ils pourraient la surmonter aussi. Ça leur permettrait peut-être d'avoir une autre vision politique et économique du monde. Vous parlez de mouvement social. Oui, oui. Et vous parlez bien de l'utilité de la lutte bien sûr. Des femmes bien sûr. Pour l'ensemble du genre humain, pour la oui. libération du genre Alors, humain, de choses qui l'enfermeraient. Vous voyez, quelqu'un comme Michel Foucault nous montrait que le rapport au corps, c'est pas quelque chose de neutre, c'est politique. C'est pour ça que j'ai voulu, dans le livre, revenir au rapport au corps. Alors qu'on n'en a pas parlé tant que ça depuis 6 mois, du rapport au corps. On est reparti dans des querelles d'égalité, puis alors de toute une série de choses qui tournaient autour. Mais oui, le rapport au corps est politique. Donc finalement, aujourd'hui, encore une fois, par cette histoire de cercle concentrique, on a commencé par l'égalité en droit, après, il y a une lutte pour l'égalité économique, et là maintenant, on est au cœur, c'est-à-dire le rapport au corps, mais le rapport au corps est politique. Ce que j'appelle, moi, l'excision morale, parce qu'il n'y a pas seulement une excision physique, l'excision morale, c'est-à-dire la négation de la jouissance des femmes. La négation de la jouissance des femmes du point de vue physique, corporel, entraîne la jouissance, la négation de la jouissance au plan civil, c'est-à-dire de la jouissance de la propriété, parce que si vous êtes considéré comme une propriété, comme un capital exploitable pour son plaisir, pour votre, eh bien, en même temps, vous ne pouvez pas vous-même vous approprier, vous voyez? Donc il y a un renversement du rapport au corps des femmes, qui peut se traduire par un renversement civil et un renversement politique. C'est ça qui est le plus profond. C'est ce que Michel Foucault appelait la micropolitique, ce qui est le plus profond. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a des réactions qui sont d'autant plus violentes et d'autant plus fortes. Parce qu'en fait, on touche, pour le coup, le cœur du mal, ce qui est vraiment au cœur. Donc, c'est ça que vous avez trouvé en descendant au cœur du mal, pour reprendre le titre de cet essai, ouvrage, réflexion, Raphaël Liogier. Sous le contrat social, il y a un contrat sexuel. Le droit des hommes sur le corps des femmes, nous disait récemment encore la philosophe Geneviève Fraisse, auteure du Consentement, un livre qui est ressorti en édition augmentée aux éditions du Seuil au lendemain de l'affaire Weinstein. Quel est le rapport de force actuel entre les hommes et les femmes? Bien, plutôt que de parler en termes de rapport de force, je dirais qu'on a affaire à deux mondes aujourd'hui. On a affaire à deux mondes. Il y a un monde avec une résistance du monde patriarcal, qui est parfois d'une très grande mauvaise foi et d'une très grande hypocrisie. Il va dire c'est une question de galanterie, c'est une question de ceci, c'est une question de cela. Mais en fait, c'est le désir de maintenir un certain nombre de privilèges, parfois inconscients, chez certains hommes. Et chez même ceux qui font un effort, une grande fragilité parfois, c'est-à-dire ne pas comprendre ce qui est en train de se passer, ne pas même accepter la liberté sexuelle de certaines femmes,
Parce qu'au fond, dans les années 70, les femmes n'ont pas bénéficié directement de cette liberté sexuelle qui leur était, on pourrait dire en quelque sorte, qui avait l'air de leur être acquise en théorie. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient encore trop dominées économiquement. Et que même il y avait un certain nombre de droits juridiques qui n'étaient pas encore, qui étaient loin d'être acquis à la fin du XXe siècle. Mais du coup, il y a pu y avoir même une accentuation du rapport de prédation dans ce rapport-là. Mais à partir des années 90, des années 2000, de plus en plus de femmes se sont retrouvées indépendantes. Et en se retrouvant économiquement indépendantes, elles ont eu des comportements qui ont été déstabilisants, de plus en plus déstabilisants pour les hommes. Et donc, un retour de bâton de la virilité. On a ça, on a ce monde-là, et puis on a un monde aussi qui est le monde de ces femmes qui n'acceptent plus ce regard, et c'est ce monde qui est manifesté parmi tout. Et ce qui se passe dans les médias, c'est une sorte de lutte plus ou moins hypocrite, plus ou moins de bonne foi entre ces deux mondes. Le regard de l'homme, alors il doit changer de passer de quoi à quoi précisément ? Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas complètement changé, parce que sinon je n'aurais pas pris la peine d'écrire ce livre. Vous pouvez nous dire un petit peu la position qu'il a aujourd'hui et la position qu'il devrait avoir pour effectivement prendre en compte. Prenons l'exemple du rapport à la jouissance. C'est intéressant parce que le mot de jouissance, il signifie à la fois la jouissance de son propre corps, la jouissance au sens de l'orgasme, et de la jouissance au sens civil, la jouissance des droits politiques aussi. Je crois qu'on est passé par trois phases. Première phase, la négation de la jouissance féminine. C'est-à-dire, elle n'existe pas. Donc c'est ce que j'appelle l'excision physique, qui peut être une excision physique, mais qui est l'excision morale presque totale. Ça n'existe pas, les femmes existent pour le plaisir des hommes. Donc les femmes vont intérioriser ça, progressivement. Et puis, deuxième, c'est après la négation, c'est le contrôle de la jouissance des femmes. C'est-à-dire, on peut pas la nier, donc on la contrôle, on la limite. Par exemple, c'est au XIXe siècle, le fait de qualifier d'hystérique des femmes qui seraient trop libres, donc qui seraient pathologiquement, en quelque sorte, menacées, si vous voulez. Et puis aujourd'hui, on a eu un phénomène étrange, un renouvellement de la virilité qui consisterait, et je crois que c'est encore du machisme, qui prend une nouvelle forme dans les années 70-80, à laquelle je fais référence, c'est cette fois non plus la nier, non plus la contrôler, mais la provoquer. C'est le macho qui provoquerait la jouissance des femmes, et donc il ne pourrait pas y avoir de jouissance sans lui. Et donc ça nourrit en quelque sorte à nouveau sa virilité. Je crois que ça c'est la dernière étape, et qu'il faut aussi se débarrasser de ça pour reconnaître que les femmes sont indépendantes en termes de jouissance physique, autonomes, elles ont un pouvoir autonome, et qu'elles sont autonomes du coup aussi en termes de jouissance civile et de jouissance politique. Elles n'ont pas besoin, elles ne sont pas dépendantes d'une manière générale. Mais les femmes ont déjà la puissance reproductive, comme nous l'a appris Françoise Héritier, et vous le rappelez également Raphaël Liogier, ce qui nourrit cette angoisse de la superpuissance féminine à vous lire. Alors par quoi on commence ? L'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie nous disait ici même que le féminisme, c'est permettre à chacun de vivre comme un individu à part entière. C'est élever les petits garçons pour qu'ils deviennent des êtres humains, pas des vrais hommes. Or, vous nous rappelez que le poids culturel, que cet héritage culturel est nourri de mythes, de contes, de mythologies, de la belle Hélène à la belle au bois dormant, qui n'ont cessé d'apprendre à l'homme qu'il pouvait soutirer le consentement aux femmes parce qu'ils sont hommes et parce qu'elles sont femmes. Si on relisait toute cette mythologie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retient ? On en retient énormément de choses, mais au moins un élément qui est central, je dirais, quand on cherche à faire le diagnostic de cette situation aussi. Pour parler en termes de diagnostic, j'irai encore plus loin que Françoise Héritier, parce que Françoise Héritier, elle dit, il y a une angoisse chez les humains et qu'on retrouve dans la plupart des mythes, chez les hommes, qu'on retrouve dans la plupart des mythes, vous l'avez dit, la belle au bois dormant, toute une série de choses. Il y a une angoisse. C'est surtout les petites filles qui lisent ces contes-là. Oui, mais le rapport, enfin, c'est les petites filles qui les lisent, mais après, il y a des interprétations pour adultes que j'évoque dans le livre qui sont légèrement différentes parce qu'elles ont été édulcorées pour les petites filles, mais c'est quand même les structures anthropologiques, ce qu'on vous raconte quand vous êtes enfant. Donc elle nous dit, c'est la puissance reproductive qui impressionne tellement les hommes qu'ils se sentent impuissants face à ça. Moi, je dirais que ça va plus loin parce que c'est aussi le sentiment d'impuissance, pas seulement par rapport à la force reproductive, mais par rapport à la capacité de jouissance des femmes.
Vous regardez, qu'est-ce qu'une sorcière au Moyen-Âge? La définition d'une sorcière au Moyen-Âge, c'est une femme qui, en âge de jouir du monde, de jouir d'elle-même, et effectivement aussi de se reproduire, n'est ni mariée, ni entrée dans les ordres, comme elle n'est possédée ni par Dieu Tout-Puissant, représenté aussi par une figure mâle, ni par un homme, son mari, elle est forcément possédée par le diable, et elle acquiert des pouvoirs qui sont mystérieux, qui sont l'envers, le négatif, de ce que les hommes se représentent comme leur impuissance, le fait de ne pas pouvoir. Mot impuissance, le fait d'être impuissant, qui se rapporte à quoi? L'incapacité ou la croyance, l'idée qu'on ne sera pas capable d'avoir une érection face à une femme. Il faut quand même appeler un chat aussi. Bon. 19e siècle, on va avoir la justification bourgeoise qui va devenir scientifique et on va dire les femmes sont potentiellement hystériques. Et qu'est-ce que ça veut dire hystérique? Ça veut dire utérus? Ça veut dire que une femme, en gros, elle pourrait faire l'amour à l'infini, pourrait jouir à l'infini à en devenir folle. Alors que les hommes se représentent comme ayant une sexualité finie, capacité de jouissance finie. Qu'est-ce que ça va devenir au XXe siècle? Au XXe siècle, ça va devenir la salope. Et chaque fois, quand on essaye de réfléchir à ça, on se dit, c'est étonnant tous ces mythes, les femmes ne seraient qu'une moitié, une moitié de l'homme, avec différentes interprétations dans la Bible ou chez Aristote, etc. Elles ont été exclues de la compétition dès le début de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on s'acharnerait autant à exclure de la compétition si on est si sûr de sa force? J'en déduis donc que le fameux complexe de castration dont parlait Freud, c'est-à-dire les femmes seraient complexées parce qu'elles n'auraient pas de phallus, en réalité, le complexe de castration, il est masculin et il vient du sentiment d'impuissance. Et donc la violence masculine, elle vient de ce sentiment de castration, je crois. Raphaël Liogier, philosophe, invité pour son nouvel essai Descente au cœur du mal, qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. Il est 13h19 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Alors comment le construire ensemble, ce monde commun? Qu'appelez-vous déjà aussi la valeur transcendantale du consentement? À propos de consentement, Raphaël Liogier, je voulais vous faire écouter un extrait du documentaire de Blandine Grosjean et de Delphine Dilly, qui a été diffusé ce mardi sur France 2, qui est disponible en accès libre sur la chaîne YouTube et qui fait aussi beaucoup discuter les internautes. Ce documentaire s'appelle « Sexe sans consentement ». Il met en lumière la fameuse zone grise, ce « ni oui ni non », ou ce silence qui serait interprété comme un oui par les garçons. Écoutez, tiens d'ailleurs, les garçons témoignaient. Comment tu sais qu'une fille, elle a envie de coucher avec toi? Beaucoup de signes. Les yeux, le regard. Il y a une chose, c'est sûr, c'est le remettage de cheveux. Ah ouais? Donc, elle remet ses cheveux, c'est un bon indice. Ça peut être un mauvais indice, mais ça peut être un bon indice. Je dirais plutôt que c'est le... Enfin, tout est dans le regard, en fait. Tout est dans le eye contact, en fait. Ouais. C'est, voilà, quoi. Un eye contact bien profond de quelques secondes, pour moi, c'est... Enfin, j'arrive à traduire oui ou non, quoi. Après, si je dis par exemple à une fille, on rentre à la maison, et qu'elle dit oui, après, pour moi, ça veut dire que c'est bon. La fille, elle te dit rien, toi non plus, tu dis rien, ça vient tout seul. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation, où je voulais aller plus loin, et elle non, et donc... On a fait la première partie, si vous voulez, et donc là, du coup, ah mais non, je fais pas machin et tout. Donc je l'ai relancé et au petit matin, j'ai eu ce que je voulais, quoi. Donc voilà, c'est un peu un petit travail comme ça, mais en fait, j'aime bien les filles compliquées. Donc du coup, dès qu'on me dit non, bah, ça me motive encore plus d'y aller. Mais après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a certains, dès qu'on dit non, ils partent en courant. Moi, pour moi, le non d'une fille, c'est limite pas excitant, mais ça me motive en tout cas. C'est là qu'on voit qu'on a quand même parfois encore du mal à se comprendre, le « on » étant les hommes et les femmes. Raphaël Liogier, vous l'avez vu ce film? Oui, bah je trouve ça extrêmement intéressant. Et ce film est très exactement la démonstration de l'erreur, ou je ne sais pas comment qualifier, de la fameuse tribune qu'on qualifie maintenant de tribune Catherine Deneuve. Parce que le droit d'importuner, c'est très exactement le droit de forcer dans une zone, dans cette fameuse zone grise. C'est-à-dire de nous dire que droit d'importuner, ça reviendrait au flirt. Je rappelle que le flirt, c'est quand même, on pourrait presque dire, l'amour du consentement. Alors que importuner, c'est justement faire en sorte de glisser dans cette zone grise pour son propre intérêt. Et dans un intérêt qui est un intérêt qui est vraiment un intérêt de prédation. On parlait des mythes. Prenons un mythe contemporain très récent, le western américain.
le western américain avec ce fameux fameux western avec John Wayne qui est le cow-boy viril mais qui est sympathique parce que finalement lui il a de la volonté, c'est l'homme qui a de la volonté, hein, il sait ce qu'il veut. Bon, et il essaye d'embrasser une jeune femme. Elle refuse, elle bloque, elle dit non. Alors au bout d'un moment, il en a marre parce que lui, il a des affaires sérieuses à faire. Enfin, il veut arriver justement, comme disait ce garçon, il veut y arriver. Qu'on va pas. Elle minaudait. On dit elle minaudait. Et donc, il finit par lui envoyer deux gifles. Il l'embrasse. Et alors elle se dérédit. Elle le serre dans ses bras parce qu'évidemment, c'est ce qu'elle voulait. Une femme, c'est jamais très exactement ce qu'elle veut. Donc, qu'est-ce qu'elle dit dans Me Too ? Elle dit si, on sait très bien ce qu'on veut. Et vous savez, j'ai rencontré beaucoup de femmes avec qui j'ai pu discuter entre temps, et même j'ai un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui m'ont dit que à la lecture de Me Too, sont remontés à la surface le sentiment justement qu'on avait forcé leur consentement alors qu'elles n'avaient pas réalisé, parce que c'est tellement intériorisé d'être une femme aujourd'hui, c'est tellement intériorisé le fait que quand un homme flirte avec vous, vous avez le sentiment parce que ça remonte jusqu'au néolithique, cette idée de que le corps d'une femme est un capital qui perdrait quelque chose s'il est embrassé, si on couche avec, c'est-à-dire en gros s'il est exploité. C'est pour ça que je dis que il est quasiment considéré comme un bien fongible, ce que j'appelle le capitalisme sexuel, c'est-à-dire qui s'userait, qui perdrait de la valeur à l'usage, tandis que l'homme lui au contraire prendrait de la valeur. Vous avez vu ce qu'il a dit dans l'histoire de la zone grise, il a dit et puis à la fin quand même j'y suis arrivé. C'est très exactement Weinstein. À la fin, il y est arrivé. C'est-à-dire... Vous allez loin, en tout cas. Oui. Bah si. Bah c'est ce que, Weinstein, au-delà même, c'est pour ça que je faisais la distinction entre DSK, que vous avez dit, et Weinstein. Parce que DSK, lui, c'était une sorte de désir, le côté assoiffé par rapport au corps de femme, sans limite. C'est l'effet de la domination, ce Casanova. En revanche, la cause de la domination, c'est que Weinstein, il ne veut pas coucher avec n'importe qui. Il veut que la jeune femme... qui est une star, qui peut être une star, une starlette, qui vient dans sa chambre, elle vient dans sa chambre, il donne rendez-vous dans sa chambre, et il veut qu'elle sache pourquoi elle est là. Ça veut dire qu'il veut jouir de son propre pouvoir à travers le corps de cette femme. C'est même pas directement le corps de cette femme. Et c'est très exactement ça le problème central. Donc tant que ce problème, il n'aura pas été, renversé, tant qu'il n'y aura pas eu un vrai renversement du regard, un vrai travail sur le regard et sur la structure même du désir des hommes, eh bien tout le reste aura été presque inutile. Je souligne la phrase, donc la femme sait ce qu'elle veut, c'est ce que vous avez finalement découvert en lisant ce fil de commentaires, enfin ce fil de réactions. Je voudrais vous demander la question, qu'est-ce que ça changera, parce que vous nous parlez d'une révolution, vous parlez de la révolution française, là vous nous parlez d'une révolution globale qui va sans doute bouleverser la société considérablement. Qu'il fait déjà. Dites, voilà. Oui. Qu'est-ce que ça va bouleverser si on pousse, si on avance un peu dans le temps, si on estime que toute cette révolution va porter progressivement ses fruits, va infuser partout et va permettre de modifier la société. De quelle façon ? D'abord, c'est pas partout, parce que l'égalité en droit n'est pas acquise, comme je le disais dans la précédente partie de l'émission, dans l'ensemble des sociétés. Il y a une minorité de sociétés, les sociétés dites démocratiques, plutôt Amérique du Nord, France, Europe, etc. Mais... ce que ça va, on est dans une période de crise aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'accrochent au passé, il y a des gens qui voudraient aller plus vite, et il y a des gens qui sont entre les deux. J'évoque un mot qui est un mot qui vient de Friedrich Nietzsche, un concept qui est le mot transvaluation. Pourquoi est-ce que j'emploie ce mot transvaluation ? C'est pas pour faire exprès, pour faire érudit. Hein. C'est pour distinguer de transformation. Transformation, ça serait on élimine la féminité et la masculinité, on va au-delà de ça, etc. Une sorte de féminisme vraiment radical. Moi, je ne pense pas que ce soit possible et je ne pense même pas que ce soit désirable. Pas parce que la féminité telle qu'elle existe et la masculinité telle qu'elle existe ne sont pas le fruit de milliers d'années de domination, mais parce que même dans la domination, on s'est tellement habitué à ses fantasmes et à ses désirs qu'on s'en sentirait privé. Donc la transvaluation, qu'est-ce que c'est ? La transvaluation, c'est la réappropriation du sens que l'on donne à la féminité et à la masculinité, par les hommes comme par les femmes. Vous allez me dire, c'est un truc de philosophe, je voudrais un exemple concret. Oui, allez-y. Voilà, l'exemple concret. L'exemple concret. Il vous écoute, Antoine, merci. Voilà, l'exemple concret, c'est ce que j'appelle le paradigme ou le principe des talons aiguilles. Les talons aiguilles, ça a été inventé, aiguille, hein, parce que les talons, en général, c'était plutôt pour les hommes, pour se rehausser. Mais quand ça devient aiguille, c'était pour donner une démarche fragile, chaloupée,
aux femmes et donc donner le sentiment presque qu'elle avait besoin des hommes pour marcher. Donc ça devenait délicat et donc pudique et donc beau et excitant. D'accord ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui vont porter des talons aiguilles au travail, qui sont des avocates, qui sont des femmes très élevées dans la société. Et elles portent le talon aiguille comme un symbole de force et d'autorité sans bannir leur féminité. Donc ça veut dire qu'il est possible d'aller au-delà, de se réapproprier le langage même de la féminité et de la masculinité. À propos de cette tribune sur la liberté d'importuner d'une centaine de personnalités publiques, dont des femmes, beaucoup de femmes, pardon, en France, l'équivalent d'un droit de cuissage soft en Occident, écrivait Kamel Daoud au lendemain de la publication de cette tribune. Vous nous avez parlé de DSK en Casanova, de Weinstein en Don Juan, et Tariq Ramadan, qui a été mis en examen pour viol et maintenu en ce moment en détention provisoire et qui est visé par une troisième plainte depuis le début de semaine. Il est le symbole de quoi ? Je vais vous dire trois choses très rapidement. Première chose, je ne veux pas prendre position sur le fond parce que je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge d'instruction, je ne sais pas exactement ce qu'il en retourne. Deuxième chose, je ne voudrais pas qu'on dérive dans un débat sur c'est le religieux, c'est l'islam, etc. parce que c'est d'abord la culture patriarcale qui se saisit du religieux et qui peut se saisir de certaines religions comme l'islam ou d'autres, mais pas l'inverse. Vous voyez ? Deuxièmement. Troisièmement, si j'en crois les représentations, les images qui se dégagent de ce qu'on reproche à Tariq Ramadan, ça serait plutôt Don Juan, puisque c'est l'idée d'un profit, en quelque sorte, de jouir de son propre pouvoir à travers le corps des femmes. Mais en suspendant mon jugement sur est-ce que ça a eu lieu ou est-ce que ça n'a pas eu lieu. Mais ce qu'il en ressort, ça serait ça, évidemment. Merci beaucoup, Raphaël Liogier. Descente au cœur du mal. Votre livre vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup à vous.